Merci pour la balade, Jack. Salut, Jack. Merci. Ouais. C'est par là, tout droit. Tu nous dois une pizza. Tout droit. Ça marche. Au revoir, Monsieur Jack, Monsieur Gwendal et Monsieur Leblanc. Salut, Clara Chia, fais gaffe à toi. Chef, ils reviennent. Ok, et cette fois, on économise les munitions. On les finit à la main. Avec des films comme Mortal Engines, Mad Max ou encore des jeux vidéo comme Fallout ou Last of Us, qu'est-ce qui explique cet engouement pour le genre post-apo auprès du public? Ce qui est intéressant dans la science-fiction, point de vue personnel, c'est que la science-fiction, elle est conçue pour s'interroger sur ce que sera demain. D'accord? D'ailleurs. Parce que moi, je tiens énormément à ce qu'on appelle la veille prospective, qui était très chère à John Brunner, grand auteur de science-fiction britannique. Et la notion de veille prospective, c'est qu'un auteur va se nourrir de toutes les données du temps présent et va élaborer une hypothèse, c'est-à-dire anticiper ce que sera le monde de demain en fonction des données qu'il a sous la main. Et donc, la force d'un auteur, c'est de pouvoir extrapoler le futur en fonction des données qu'il a, et celui qui touche juste ou celui qui touche pas juste. Généralement, la science-fiction devient en fait un panorama, c'est-à-dire que chaque auteur amène un élément de la réponse, une pièce du puzzle. C'est ça qui est très fort. Donc il y a moi dans l'analyse que j'ai du post-apo, c'est qu'avec une vision panoramique qui va du 19e à nos jours, qui aujourd'hui intègre plus de 50 pays référencés, une production qui dépasse 4000 œuvres originales sur tout type de support, me permet d'avoir une vision panoramique et qu'à travers tous les récits, j'ai une pièce du puzzle qui me permet d'avoir une vision, on va dire, assez complexe et composite de ce que peut être un effondrement. Et donc, pour revenir sur ta fameuse question, au départ, c'est que pourquoi le poids aujourd'hui de la fiction post-apo? C'est simplement parce que le monde devient de plus en plus anxiogène, parce que le futur est de plus en plus bouché. Et alors après, tu as des grandes étapes dans l'histoire de la science-fiction. Parce que le post-apo, hein, on est d'accord, hein, c'est juste un motif qui intègre la science-fiction. Donc, tu as différentes variantes. Mais voilà, 19e utopie, on croit au futur, donc on est dans une vision positive. L'entre-deux-guerres, on bascule dans une vision dystopique, c'est-à-dire pessimiste à l'égard du futur, notamment chez les Européens, tandis que dans l'entre-deux-guerres, d'ailleurs, les Américains, eux, vont capter l'héritage de la science-fiction européenne, qu'on appelait à l'époque « scientific romance » pour les Anglais ou « merveilleux scientifique » pour les Français. Et les Américains, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils redonnent un nouveau nom. C'est la science-fiction. Et du coup, ça va donner le space opéra, ce genre de, tu vois, d'aventure galactique super cool où tout va bien. Les Européens, donc, plus pessimistes. Et après 45, la bombe atomique, c'est le deuxième coup de massue, et notamment dans le milieu de la science-fiction américaine, puisqu'à partir de ce moment-là, se met à se développer une fiction, science-fiction post-apo, très importante aux États-Unis. Les années 50, c'est la guerre froide. C'est la peur, c'est la guerre du Corée, c'est la peur du lavage de cerveau, tu vois, dans des récits comme Invasion of the Body Snatcher ou ce genre d'œuvre. Donc du coup, c'est une science-fiction paranoïaque chez les Américains. Arrivent les années 80, parlons du mouvement cyberpunk. Tout d'un coup, tu as des auteurs qui se réapproprient, l'évolution technologique, qui imaginent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, au final, bourré de hackers, de connexions, de réseaux, de high-tech. Par contre, j'ai oublié la guerre froide. De 45 à 91, nous vivons notre société. Moi, je l'ai vécu. La guerre froide, c'est la peur de la bombe atomique. Donc, tu as toute une génération d'individus. On a vécu tous les jours en se disant bah, peut-être que la bombe va nous tomber sur le coin de la gueule. Donc, c'est une grande peur anxiogène. 91, effondrement de l'URSS. Et tout d'un coup, c'est fin de cette guerre froide. Et victoire de ce qu'on appelle la démocratie capitaliste néolibérale. Tout d'un coup, le monde s'ouvre à nouveau. La technologie explose. Donc, c'est l'apparition d'Internet, l'apparition des réseaux,
tu vois, toute cette mise en place high-tech, et donc d'un coup, pendant les années 90, c'est un peu la fête, quoi. Le champagne saute, les néolibéraux, voilà, se claquent la main en disant c'est bon, on a tout gagné. T'as des mecs qui se disent allez, c'est fini l'histoire, maintenant on est dans un courant, voilà, dans un mouvement qui ne pourra jamais s'arrêter. Donc, en science-fiction post-apo, ça va un petit peu baisser. La peur de la bombe atomique disparaît. Par contre, reste le motif de l'effondrement écologique, parce qu'il ne faut pas oublier, début des années 90, c'est conférence planétaire sur l'environnement en 92, c'est la conférence de la Terre, à Rio de Janeiro. Tu as la découverte du trou d'ozone qui est en train de niquer tout l'Antarctique, ce genre de choses, tu vois. Donc il y a quand même des phénomènes climatiques qui commencent à poser quand même des problèmes. Et puis on avance, et arrivé à la fin des années 90, qu'est-ce qu'on a ? On commence à voir les premières grandes épidémies, grippe aviaire, la vache folle, ce genre de choses qui ne fait que monter en puissance dans les années 2000. Et donc, tu as une césure, je dirais, importante au début des années 2000. C'est un, la destruction des deux tours, qui va marquer une rupture historique et qui va amener aussi une rupture, on va dire, sur le rapport de la science-fiction, l'effondrement. Mais tu as aussi l'explosion, la mise en place d'une science-fiction basée sur les pandémies. C'est là que commence un mouvement. Alors, je pourrais citer 28 jours plus tard, qui est vraiment la césure. Pour moi, historiquement, par rapport à l'évolution de la science-fiction post-apo, c'est ce film-là qui est une césure, qui amène. Alors, il y a Resident Evil, qui est l'adaptation juste un petit peu avant, et puis L'Armée des Morts de Snyder, qui est une relecture du zombie de Romero. Tu as World War Z de Max Brooks à la même époque. Tu vois, il y a un moment, en fait, dans la première moitié des années 2000, se met en place des types de récits importants. Donc, c'est l'apocalypse zombie, c'est la pandémie, ce sont les infectés, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, tu as d'un côté les zombies, eux sont morts, vivants, les infectés, ils ne sont pas encore morts, ils sont encore vivants. Tu as même des auteurs dans certaines œuvres qui vont imaginer, par exemple, des types qui sont infectés, et une fois qu'ils sont morts, ils reviennent zombies. Voilà. Donc, c'est la peur de la pandémie, et cette peur de la pandémie, elle va exploser au fur et à mesure des années 2000, pour monter dans les années 2010, où là, j'ai par exemple référencé sur la période 2010-2019, plus de 300 œuvres originales d'apocalypse zombie. Voilà, donc, du coup, juste pour dire, le côté... Pourquoi le post-apo est aussi important? Pourquoi il irrigue tout un ensemble, donc le rétrofuturisme et autres? C'est parce que notre futur est bouché. Parce que notre futur, il se lit en noir. Et que croire qu'on peut préserver la civilisation dans l'état actuel, c'est pas possible. Donc pour moi, un bon auteur de science-fiction, il aura forcément une vision négative. Même s'il produit une œuvre utopique derrière, c'est-à-dire un groupe d'humains qui survit, qui arrive à construire une société cool, retour à la nature, ce genre de choses, ça passera nécessairement par la case de l'effondrement. C'est obligatoire. Donc tout ça, voilà, pour essayer de te dire qu'au départ, ta question, c'est juste de dire la science-fiction, elle vit au rythme de son temps présent. Et si le futur, ben, il est plutôt inquiétant, bah forcément, la science-fiction produit des œuvres inquiétantes. Pour moi, c'est un petit peu logique, quoi. Donc... Raph, on a une urgence, une horde d'infectés. Ok, Jack, que tout le monde se tienne prêt, j'arrive. Bien reçu. Sky, désolé, mais il est temps de mettre fin à cette conversation. Jack, accompagnez Sky en sécurité. Merci infiniment, Raphaël. Ça a été un plaisir d'échanger sur le genre et ça a été très instructif. Prenez garde au progrès. Le progrès entraînait la destruction du monde. Merci du conseil, Raphaël. Et il est temps pour moi de repartir vers de nouvelles aventures. À tout hasard, tu n'aurais pas entendu parler d'une zone 51 dans le coin? Oula, et bah écoute, bon courage, parce que la zone 51, nous, on l'a vraiment abandonnée depuis un grand moment. C'est peuplé de machins et de bestioles. Je te souhaite vraiment bon courage. Mais si tu échoues, tu peux venir ici dans ma citadelle noire, il n'y a aucun problème, on a un peu de place. Voilà, la porte sera ouverte pour toi, il n'y a pas de problème. Merci. À moins que vous soyez infecté. Alors attention, hein, tu passeras un test et une quatorzaine, parce que nous on est resté en quatorzaine, pas en septaine. Donc voilà. Ok, merci Raphaël, à très bientôt.
Tu vois, ils étaient pas si dangereux de les infecter. Et c'est pas désinfecté. T'as jamais vu 28 jours plus tard? 28 jours plus tard? J'ai une question, capitaine. Qu'est-ce qui peut bien succéder à tous ces genres de la science-fiction? Après le rétrofuturisme, le cyberpunk, le post-apocalyptique, que peut-il y avoir d'autre? Mais j'en sais rien, moi, fallait poser la question à Raphaël. 5 sur 5, capitaine. Je vais lui poser la question. À plus tard. Non mais attends, reviens! Mais elle va où, là? Alors moi c'est point de vue personnel, mais dans mon futur 2077, ça a été confirmé. Les derniers, si tu veux, les dernières esthétiques en science-fiction qui sont vraiment développées, c'est en fait le rétrofutur. Le rétrofuturisme à travers sa version steampunk ou diesel, et le cyberpunk. Donc en fait, si tu veux, juste pour parler de l'imaginaire futuriste américain, la science-fiction américaine, ces dernières vraiment grandes créations thématiques, ça remonte au début des années 80. Depuis, on n'a rien inventé et on n'inventera rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est associé à notre futur. Et plus, alors en plus, j'aurais pu sortir, j'avais des vieux diagrammes, mais le papier a été bouffé par des rats mutants. Et là, j'ai un problème d'imprimante parce que nous avons un problème d'électricité et donc c'est un peu difficile. Mais de tête, si tu veux, l'imaginaire de l'effondrement en science-fiction n'a cessé de croître, de se développer. Et aujourd'hui, dans les années 2000-2010, donc juste avant le grand confinement, qui a marqué une nouvelle étape dans notre histoire, la fiction dépassait, si tu veux, tout explosé. Parce que plus on s'approche de l'effondrement, plus on produit un imaginaire qui traite de la question. Et en plus, vu qu'on est dans un système, à l'époque, qui était viscéralement néolibéral capitaliste, en plus, l'industrie culturelle de masse réutilise cette imagerie pour se faire de l'argent. Parce que comme c'est tendance, comme le futur ne se lit qu'en noir, allons-y, produisons. Rien qu'un exemple, je me souviens, c'était la télévision, les séries américaines post-apo. La première, elle est apparue dans les années 70. C'est la transposition de Planète des Singes. C'est la première vraiment série télé post-apo, futur post-apo. Et donc, jusqu'aux années 2010, t'as 10, 15 œuvres dans la décennie. Et tout d'un coup, dans les années 2010, là, j'en étais à presque entre 25 et 30 œuvres produites par les Américains. Tout d'un coup, en 10 ans, c'est produit plus qu'il a été fait pendant les 30 ans précédents. Donc ça donne, voilà, c'est juste, ça donne, comment dire, ça permet de donner un peu des curseurs et de montrer que plus l'effondrement s'approche, plus on produit d'œuvres qui s'interrogent là-dessus, et en plus, plus l'industrie culturelle de masse en profite pour pouvoir fabriquer des œuvres et se faire du pognon avec. Voilà, c'est